Comme je l'ai dit, l'économie européenne se trouve en ce moment dans une récession modérée. Mais nous nous attendons à une lente reprise en deuxième partie de cette année et à une poursuite de cette reprise l'année prochaine. Pour 2013, nous prévoyons une hausse des activités économiques de 1% dans la zone euro et de 1,3% dans l'Union européenne. Il est vrai que les projections des autorités françaises sont légèrement plus optimistes que les nôtres, notamment pour l'année prochaine. Ces différences sont dues au rythme de la reprise des investissements et des exportations. L'Espagne devrait rester en récession jusqu'à la fin de cette année et la croissance devrait refaire surface au printemps 2013.